Hello, bon matin, on est mercredi. Je ne fais pas de look du jour parce que clairement je suis en mode simplissime. J'ai ressorti mon petit pantalon en toile pro mode que j'adore. En fait, j'en peux plus de. Merci Audin, c'est très agréable. J'en peux plus mettre des jeans épais ou des pantalons d'hiver. Donc tant pis, je vais avoir froid, mais c'est comme ça. J'ai un petit t-shirt Uniqlo. Bien loose, et en fait je viens vous voir pour vous montrer ceci. Alors je me suis fait tatouer hier, donc là il est sous son emballage entre guillemets de lumière, en mode vraiment il est en train de baver un petit peu en fait. Je vous le montre de plus. Ah bah merci Audin, je peux vous le montrer un peu de plus près. Je vais me mettre à la lumière, ça quand même plus sympa. Je faisais différemment, donc il est comme ça, voilà, donc on le voit bien, là vous le voyez bien, donc il bave, hein, vous voyez sur le museau, c'est en train de baver, c'est normal. Voilà le résultat, donc je suis trop contente. Ça nous a pris un bon 3 heures hier, le temps de faire la position machin etc. J'ai eu un peu mal, mais rien de dingue. Bon, je disais, avant d'être coupée par le chien qui pleure, le micro-ondes, etc. Voilà, donc ça s'est super bien passé. Je me suis fait tatouer donc sur le plateau. Je mettrai le lien de mon tatoueur dans la barre d'infos de la vidéo. Dom Sylvain, justifié, truc de ouf. C'était vraiment trop bien, les détails sont incroyables. Bon, avec la skin là, je pense qu'on se rend pas bien compte, mais il est vraiment fou. Donc je suis super contente. Et en fait, ce que je voulais... attendez, je vous remontre dans l'autre sens, mais en gros ce que je voulais, c'était que quand on me voit en t-shirt, en fait je voulais qu'on voit mon tatouage sur mon bras directement quand je suis en t-shirt, ce qui se passe exactement. Donc c'est vraiment génial, je suis trop contente parce que celui-là on le voit, mais vous voyez il est un peu à moitié sous le t-shirt ou pas, et il est à l'intérieur, de mon bras, donc je suis obligée de faire un geste pour montrer mon tatouage aux gens qui veulent le voir. Donc je suis trop contente que là en fait et puisque me disait Dom hier, c'est que il fallait qu'en un seul coup d'œil en fait on le voit, et ce qui est le cas, on n'est pas obligé de tourner autour de mon bras, on le voit direct, voilà. Et même si je suis en train de travailler, de manger, de faire quoi que ce soit, on va le voir, et j'en suis trop contente. Voilà, ne me demandez pas pourquoi une orque. C'est mon animal préféré, après Odin évidemment, mais je ne vais pas me faire tatouer Odin. Je l'aime parce que ce n'est pas un petit dauphin mignon, blablabla, c'est quand même un prédateur bien comme il faut, hein. c'est des chasseurs, c'est pas des gentils petits poissons mammifères marins, donc j'aime l'idée. J'avais demandé à Dom de ne pas me faire une orque genre mignonne, qui fait des bulles dans son bassin. C'était vraiment en mode le chasseur quoi. Bon, en fait c'est plus un mâle qu'un chasseur, parce qu'en fait les orques, ce sont les femelles qui chassent. C'est vraiment une espèce matriarcale, mais c'est pas grave, là c'est un mâle parce que je le voulais assez mastoc. Mais voilà, donc je suis super contente. Ça s'est vraiment très très bien passé, très bien passé. Le seul truc qui m'a gênée assez fort, c'est la position en fait. J'étais donc sur le ventre, et j'aime pas trop être sur le ventre de base, je respire pas très bien. Enfin, là ça allait, mais je trouve que c'est quand même assez inconfortable. Et c'est surtout que j'avais le bras complètement retourné, et en fait je pense que la position faisait qu'au bout d'un moment je ne sentais plus mes doigts. Et en fait c'est même pas la douleur du tatouage. Oh merde,